Yahoo, Dibancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve avec l'extrême plaisir pour ouvrir un énorme colis de ma commande chez les éditions Anna. Donc, j'ai passé commande déjà des séries qui sont sorties en mai qui m'intéressaient. Plus, j'ai commandé la suite d'une série qui était en plusieurs tomes, qu'on aperçoit d'ailleurs ici, qui est Life is the Best. Donc voilà en ce qui concerne mes achats, je tenais juste à m'expliquer par rapport au fait que je sois ici et pas par exemple dans la pièce avec le fond. C'est tout simplement, comme tu le sais, je viens de me faire opérer. Le jour où je filme, on est le mardi 1er juin, donc forcément ça fait demain, ça ferait une semaine pour moi. Donc je me voyais pas trop être assis pour l'instant, même si je pense cet après-midi filmer des vidéos assis. Mais là, avec la taille du colis, etc., je me suis dit que c'était plus facile. Et comme juste après, je vais filmer la vidéo pile à lire. Donc voilà, on va ouvrir ça ensemble. Donc je te montre la taille quand même du colis, qui est plutôt pas mal. J'ai pas acheté que du manga là, je crois. Je sais plus. Peut-être, mais bon. Toujours est-il, on va ouvrir ça ensemble. Je le laisse là, hein, tu m'excuses, mais sinon c'est un peu trop lourd pour moi. Voilà. Ah non, ça va. J'ai cru que j'avais encore une abeille slash guêpe, mais c'est un cousin. Tant mieux, je préfère encore que ce soit un cousin que j'ai aéré que des guêpes, parce qu'en ce moment, dans la salle là, il n'y a que de ça. Alors, oui. Voilà. Donc, j'ai la petite facture. On va la mettre de côté, on s'en fout. Et la pile de manga. Je crois que j'ai un petit peu abusé. Voilà, donc tu vois, tous les noirs, c'est la série que je te disais, Like the Best. Et après, du coup, il n'y a eu que 3 tomes parce que j'ai commencé le manga Tokyo en avril. Et au final, je n'ai absolument pas accroché. Et donc, du coup, je n'ai pas acheté le tome 2. Et ça, je vais te l'enlever parce que sinon, ça va te perturber. On va mettre ça ici temporairement. Hein, voilà. Donc c'est parti avec le premier tome. Donc c'est parti avec le premier manga et ça va être Restar. Je ne sais pas comment il faut le prononcer pour l'instant. Je regarderai du coup sur Google Trad comment il me dit de le prononcer. Eh, le point là-dessus. Voilà. Donc c'est une série terminée en 2 tomes. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer comme ça, mais j'espère que ce sera bon au niveau de la qualité d'image. Sinon, je ferai des faces tables. Oui, ça va. Je pense que ça va. Voilà. Pour la qualité de dessin. Ensuite on continue donc du coup avec le seul manga qui était dans les nouveautés du mois de mai qui m'intéressait, c'est les saisons Natchan et moi. Voilà. C'est spécial, hein, je pense que... Tu vois. Voilà. On termine donc avec mes achats yaoi avec la suite de Like the Best. J'ai pu m'acheter du tome 3 au tome 9 de la série, tout simplement parce que j'ai bossé hors YouTube, hein, parce que ça m'arrive d'avoir un travail hors YouTube, et que du coup bah, j'ai pu au moins me permettre ça, et je suis très content. Donc je rattrape un petit peu. Parce que moi, j'avais donc les tomes 1, 2, 11 et 12. Donc là, déjà, je suis au tome 9. Il manque 10. Ouais, c'est ça, il manque le tome 10. Et bah voilà, au moins comme ça, j'aurais rattrapé. Après, je sais qu'on est un peu plus loin maintenant. Je ne sais pas si on n'est pas au tome 14. Mais au moins, ça me permettra de faire une vidéo peut-être jusqu'au tome 9. Et après, je ferai une vidéo plus loin. Le tome 5. Le tome 6, le tome 7, le tome 8 et le tome 9.
Le tome 9 n'a pas la même qualité de papier que les autres jaquettes. Les autres sont en matière brillante, là, en matière mate. Je sais pas si c'est normal ou pas. Et donc, je vais quand même te montrer la qualité de dessin, vu que j'ai le tome 1 qui est juste à côté. Comme ça, au moins, tu as la qualité de dessin, si jamais tu connaissais pas. Et oui, j'ai bien un t-shirt camouflage dessous ma veste. Et c'est un mangaka qui a pas mal d'œuvres disponibles en France. Il y en a pas mal que j'ai présentées, ou une ou deux peut-être. Et donc, ça va être la relation de couple entre un yakuza et un policier. Cette vidéo achat des cette vidéo achat chez la maison d'édition Anna est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. N'hésite pas à me dire quels sont les derniers yaoi que toi tu as acheté. Et n'hésite pas à me dire quelles sont les sorties du mois de juin justement chez Anna qui t'intéressent. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. N'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive. Sur ce, à bientôt.